Alors le pôle maraîchage bio, c'est une idée des jardins du Comminges, des jardins du Volvestre, avec Érable, qui est le groupement des agriculteurs bio de la Haute-Garonne. Et l'objectif, c'est vraiment de créer une communauté de producteurs et de restaurateurs sur le sud de la Haute-Garonne qui travaillent ensemble pour développer une filière maraîchage bio et local. Et puis aussi montrer aux élus qu'il est possible de manger bio et local dans les cuisines du sud du département. Notre adaptation, c'est avec l'adhérent panier traditionnel, finalement, on a une production qui est un petit peu fluctuante et on peut s'adapter en jonglant avec les paniers. Sur l'approvisionnement d'une restauration collective, c'est pas possible. Il faut avoir la quantité. On va se chercher quelques pommes de terre, là. Pareil, c'est du bio. Il y a une autre caisse qui a été livrée. On va la mettre avec les petits marrons. On travaille avec la plateforme qui est sur Tarbes. J'ai fait une ou deux formations pour aller voir comment ça se passait avec les producteurs. Ça a bien marché, on est à 15% de bio là, on va augmenter encore. Érable 31, ses missions, c'est d'accompagner les agriculteurs dans leurs projets de développement, soit sur le volet technique ou sur la partie débouchée, et aussi d'accompagner la demande, notamment en restauration collective. Ce projet pôle maraîchage bio nous permettait de, sur un territoire donné, le sud de la Haute-Garonne, mettre en lien les maraîchers et des restaurants collectifs pour faire monter ensemble en fait l'offre et la demande de produits biologiques. On a été aidé par le réseau Cocagne dès le début du projet. Alors d'abord par un soutien, une écoute. On ne nous a pas dit qu'on était fous. Ensuite, on nous a mis en relation avec d'autres jardins qui travaillent aussi dans cette même direction. L'avantage pour nous de travailler avec des jardins de Cocagne, c'est le fait que c'est des équipes plus nombreuses. Les maraîchers sont souvent une personne ou un couple. Des fois, il y a des GAEC. Mais le fait qu'il y ait une équipe plus nombreuse et des directeurs qui sont détachés un petit peu de la production du quotidien, ils sont disponibles pour être avec nous sur des projets et notamment sur les phases de montage de projets, d'animation de projets. Et ils sont une ressource intéressante. La SCIC Resto Bio Midi-Pyrénées a été identifiée par les acteurs du pôle maraîchage bio comme étant en fait l'entité qui pouvait faire le lien entre la production et la restauration collective. Donc nos missions principales consistent dans la structuration de l'offre, la recherche de producteurs, d'éleveurs, de transformateurs pouvant servir à la restauration collective. Et la mission consiste aussi à en trouver de nouveaux clients, de nouveaux débouchés pour ces producteurs. Le fait de travailler sur ce projet-là avec les jardins de Cocagne a permis de créer du lien entre les différents acteurs du territoire, car nous ne nous connaissions pas forcément. Et ceci a permis vraiment qu'on se rencontre les uns les autres et qu'on puisse faire émaner un projet commun. Mettre en valeur nos maraîchers sur le secteur est pour moi quelque chose d'important. Et puis de dire pourquoi pas que ça soit à l'avenir générateur d'emplois. Il est important pour moi que bon nombre de collectivités participent à ce genre d'action, ne serait-ce que pour favoriser les circuits courts aujourd'hui, de pouvoir permettre à toutes nos populations de pouvoir manger mieux. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il est difficile de changer un petit peu les habitudes, mais je pense qu'avec le temps, on y arrivera. Innover, c'est innover sur un territoire. Ce qui a vraiment rendu possible le projet, c'est le soutien au début de Cocagne Innovation. Deuxièmement, des élus qui se sont dit ben oui, ça nous intéresse, on y va. Et le partenariat avec Érable et puis aussi un sous-préfet qui a senti l'intérêt de ce projet pour le sud du département et qui a bien voulu mettre de l'argent public dans celui-là.